Elle était belle, si jolie, mais la souffrance de son regard parlait d'elle-même. Son visage était marqué par tant de soupirs, ancré par son passé, enfermement sentimental de par tous les coups qu'elle prenait pour s'autoprotéger. Flashback de ce soir de trop, où sous imprégnation alcoolique qui l'a laissé pour mort dans le coma sur le carreau. Ce soir tragique, où personne n'a été à son secours. Ce soir où la boule au ventre, elle a pris le dernier recours. Prise de panique, impossibilité de faire intervenir les flics. Seule solution, quitter le domicile, prendre la fuite. Elle est partie, sans se retourner, totalement à la dérive, sans personne pour la soutenir, pour la protéger. Son visage me parlait. Dans ses yeux je voyais le reflet de la violence, de cette souffrance dans le passé elle subissait. Pourtant sortie de cette pénitence, en pleine confiance elle-même, son regard restait marqué par cette conjugale violence. Son visage me parlait. Dans ses yeux je voyais le reflet de la violence, de cette souffrance dans le passé elle subissait. Pourtant sortie de cette pénitence, en pleine confiance elle-même, son regard restait marqué par cette conjugale violence. Parlons justice, parlons trauma, le constat toutes ces femmes victimes qu'on néglige sans prendre conscience du psychique fracas. Chaque soir elle emportait ses séquelles, insomnie, son plongée hors du réel, pour seule vision son nom gravé sur une tombe. Chaque cauchemar la dévore, chaque bruit suspect lui rappelle ces moments humiliants, étouffants, hardcore. Son corps complètement polytraumatisé, emporte des traces et cicatrices et séquelles sur sa poitrine jamais tatouée. Il parle alors de préjudice moral financier, mais quel prix pour l'âme, pour l'aide, pour la chair lacérée. Prendre perpète à la place du condamné, déjà victime de violences conjugales, elle le sont aussi de cette justice bâclée. Son visage me parlait, dans ses yeux je voyais le reflet de la violence, de cette souffrance dans le passé elle subissait. Pourtant sortie de cette pénitence, en pleine confiance elle-même, son regard restait marqué par cette conjugale violence. Son visage me parlait. Dans ses yeux, je voyais le reflet de la violence, de cette souffrance dans le passé elle subissait. Pourtant sortie de cette pénitence, en pleine confiance elle-même, son regard restait marqué par cette conjugale violence.